La rencontre vient de débuter et à mon avis, une grande partie de foot nous attend aujourd'hui. L'ambiance est superbe, le stade est vraiment multicolore, on devrait bien s'éclater. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Van der Vaart. Bruno Silva. Vermaelen. Et Van der Vaart. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. Bruno Silva. Kennedy. Il passe le ballon au gardien. La défense est prise à revers. Encore une belle occasion. Le ballon a été touché par un défenseur. Corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Gavri. Van der Vaart. Encore une occasion de centrer. Sans danger pour le goal. Van der Vaart. Kennedy. Bruno Silva. Ça ne fonctionne pas. Vermaelen. Une occasion en or sur ce ballon volé. Facile pour la défense. Le danger est écarté. Encore une belle occasion. Et ce sera une remise en jeu. La défense a récupéré le ballon. Pas assez précis. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Gavri. Van der Vaart. Ça ne fonctionne pas. Encore une occasion de centrer. Ballon repoussé de loin, corner. Ballon aérien. Oulala, relance calamiteuse. Et but, fantastique. Il marque en début de match. Oh, que ça de normal pour les adversaires qui sont littéralement assommés.
Christian, c'est une belle rencontre à laquelle nous assistons. Ah, le but de la tête nous a montré quand même que le foot, ça ne se jouait pas qu'avec les pieds. Et qu'avoir la grosse tête, ça pouvait toujours servir. Quelle atmosphère fantastique! C'est toujours génial de voir un stade exploser. Il mène grâce à ce but. Il joue l'intervalle. Oh, il y a un bon coup à jouer. Va-t-il frapper? Il peut marquer un but. But incroyable! Le deuxième en 5 minutes. Et vous avez vu comme ses yeux se sont illuminés quand le gardien a relâché le ballon. Et après, ses pieds ont fait le reste. Joli doublé! J'en connais un au bord de la touche qui doit être satisfait. Une avance de 2 buts maintenant. Bon, c'est sûr, ils ont manqué leur avance. Vous connaissez l'entraîneur, je peux vous dire. Je doute qu'ils veuillent ralentir la cadence. Il faudra qu'ils continuent, qu'ils appuient, qu'ils continuent à attaquer. Que les attaquants fassent leur boulot et mettent l'adversaire en déroute. Joli décalage. Il tente. Kennedy. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Il peut marquer. Le tir est décoché. Une belle occasion. C'est pas cadré, cela passe à gauche. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. Peuvent construire quelque chose. Il veut marquer. Nouvelle occasion, mais ça manque de finition. Mais ouais, il a raison le gardien. Il faut qu'il bouge les défenseurs. Il laisse trop jouer. Il faut qu'il monte en pressing sur les attaquants. La défense est malmenée sur le côté. Il a trouvé un partenaire, voyez la suite. Et il réussit une tête. Il va pouvoir marquer. Long dégagement en avant. Pour De Jong. Ils reprennent le ballon. Bon retournement de situation, il a le ballon. Va-t-il frapper? Arrêt du gardien. Kennedy. Van der Vaart. Pour Van der Vaart. Ça peut être extrêmement dangereux. Va-t-il marquer? Ils vont peut-être marquer une nouvelle fois sur cette action.
Il a dégagé. Magnifique passe en profondeur. C'est toujours dangereux sur les côtés. Non, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. Oh, il n'a même pas la place pour passer une allumette. Il reprend le ballon. Partir en contre, c'est toujours payant. Encore une occasion de centrer. Une interception vraiment importante. Et De Jong. Nouvelle interception. Van der Vaart. Ils peuvent construire quelque chose. C'est pas très bien joué, il faut s'appliquer. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Il a essayé de frapper, on l'a senti instantanément. Il a voulu battre le gardien, mais il a quand même pas trop cadré son tir. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. C'est malin. Encore une belle occasion. C'est un début de match exceptionnel. Le troisième but. Ce but va sans doute peser lourd. Avec un tel retard désormais, ça s'annonce très compliqué pour les autres. À 0 et franchement ça roule tout seul. Ah là ils sont complètes, veux-tu en moi là. Là ils sont très. Le seul danger c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe là à mon avis, ça risque pas d'arriver. Oui, il était bien hors jeu, bien vu l'arbitre assistant. Et le gardien récupère le ballon. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place de l'adversaire. Il l'écarte du coin. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Presque 30 minutes écoulées. Il va pouvoir marquer. Le quatrième but extraordinaire. Quelle piquette ce soir. Avec beaucoup de lucidité, il a glissé le ballon à l'attaquant qui était à la limite du hors-jeu. La passe était encore plus difficile que la finition. Il réalise vraiment de belles choses. C'est un travailleur infatigable et c'est bien qu'il soit récompensé par ce début. Et en voilà 4, ils sont vraiment dangereux devant. Gabi. Encore une occasion de centrer. Il faut mieux jouer que ça pour tromper la défense. Dégagement. 30 minutes à l'horloge dans la première mi-temps.
C'est bien fait en profondeur. Bien joué de la part de la défense. Il peut peut-être marquer. Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. La balle change de propriétaire. Il peut marquer. Et c'est un corner pour eux. Il passe sous le nez du gardien. Aïe, 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 c'est un véritable déluge de but. Hein. Christian, on assiste vraiment à une rencontre sérieuse. Et ce début de la tête, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle mes jeunes années, quand je marquais les mêmes dans mon quartier à Avignon. Comme le score l'indique, c'est vraiment un super résultat. Ah, ça, c'est un vrai festival de but. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ils sont capables de marquer maintenant à chaque attaque. Il est temps que l'arbitre arrête la rencontre. L'adversaire est sous pression avec cette touche. C'est super dangereux, il peut marquer. Il est libre. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Il joue derrière la défense. Il passe le ballon au gardien. Il se défend bien. Le portier est bien présent, il a le bon geste. C'est sympa de voir des défenseurs jouer avec autant de justesse sans vraiment paniquer. Il joue le ballon, pas le joueur. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le perdre. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. C'est un ballon gagné. Ils peuvent construire quelque chose. Va-t-il la mettre au fond des filets ? Nouvelle occasion de centrer. La menace est écartée. Il a intercepté la passe. Oh, que ça va partir vite. Ils peuvent encore se permettre d'avancer. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Bon travail et bonne possession du ballon. Ça, c'est vraiment du beau football. Le ballon circule bien au sol ou dans le domaine aérien. En face, ils sont perdus. L'attaque est stoppée, ça ne donnera rien. L'arbitre siffle, il n'a pas le choix. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. C'est un peu loin pour tenter un tir au but. Très
Très belle ouverture. Ouf, le danger est écarté. Kennedy. Bruno Silva. Bonne action, le ballon est récupéré. Bon travail et bonne possession du ballon. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. Un très long ballon. Super 1-2. Il lâche une frappe. Bonne maîtrise du goal. L'arbitre a regardé son chrono. C'est quasiment la fin du temps additionnel. Peut-il marquer? Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Il n'a pas de chance. S'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. Allez, il y est presque. Dégagement des points, corner. Frappe décochée en direction du but. Il frappe de toutes ses forces. Ce sera un nouveau corner. Ce ballon est bien haut. But ! Mais incroyable ! C'est une véritable piquette à laquelle on assiste. Voyez comment il s'est libéré facilement de son marquage pour mettre une passe-tête hors de portée du gardien. Ça ne m'étonne pas. Il n'avait qu'une idée en tête. C'était réaliser un hat-trick. Allez, c'est l'heure de la pause, quelques secondes. Attention aux premières minutes de la seconde période, car ils sont connus pour être en forme à ce moment-là. Kennedy. Et Gabri. Ballon bien dégagé de la tête. L'équipe a toujours la possession du ballon. Un ballon repassé en arrière. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule. Oh, il y aura peut-être but. Attention au positionnement, il est hors jeu. Gabri. Bon retournement de situation, il a le ballon. Ça peut être extrêmement dangereux. Encore une occasion de centrer. Il prend sa chance. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir respirer. Il l'emporte dans ses duels aériens. Vermaelen. Encore une belle occasion. Personne ici pour recevoir la passe. Thank you.
superbe ballon. Ouh là là, il y a des actes. C'est encore au fond des filets. Quel score fleuve, mes amis. C'est donc sa deuxième réalisation personnelle. Les défenseurs en face ne savent pas comment le prendre. Vermaelen. Ils peuvent construire quelque chose. Dégagé par le défenseur. L'attaque ne donnera rien. C'est pas fini, ça peut revenir. Bon dégagement. Oui, la passe arrive à destination sur l'air. Et c'est encore dedans. Deux buts encore marqués à l'instant, mais c'est incroyable ce scénario. Et quand un joueur il a les deux pieds, tu sais jamais ce qu'il va faire. Là, c'est du gauche qui vient de surprendre le gardien. Trois buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Quelle technique individuelle, c'est un as dans la conservation du ballon. Encore une occasion de centrer. Il a complètement gâché cette occasion. Mais c'est pas possible d'où il frappe, il s'est pris pour un autre. Il s'est un petit peu enflammé sur cette frappe. Pour Van der Vaart. Vermaelen. Pressing super efficace. C'est bien de partir en combo. Il est rentré dans la surface. Ballon repoussé des points, corner. Très haut. C'est cadré de la tête. Directement dans les tribunes. Une occasion de perdu. Non, le ballon a été intercepté. Il n'a peur de rien. Nouveau corner. Le ballon est travaillé vers les buts. Frappe puissante mais sans précision. Il décoche un tir. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Là on sent que les deux se connaissent parfaitement, hein.
C'est l'appel à la limite du hors-jeu qui a provoqué la passe. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? 4 buts, ce joueur est exceptionnel. Les défenseurs sont perdus. Va-t-il la mettre au fond des filets? Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. Tir du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Hors jeu, ça s'est joué à pas grand-chose. Nous sommes entrés dans les 30 dernières minutes du match. Encore une belle occasion. Il a fait ce qu'il fallait faire. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Kennedy. Bruno Silva. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Partir en contre, c'est toujours payant. C'est chaud pour le gardien. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui terminent au fond des filets. Quel plaisir! Et celui-là de but, à mon avis, dans 200 ans, on le verra encore. En plus, il y aura nos commentaires dessus. Un trick, c'était déjà merveilleux, mais alors 4 buts, c'est vraiment le pérou. Dans ce jeu, ils ont le ballon, mais ils ne savent pas trop comment l'exploiter. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Il veut marquer. Il frappe directement. L'entraîneur apporte quelques améliorations. C'est un ballon fouetté vers le but. Du pied, dégagement sûr. Vermaelen. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Balmont. Pour Gavry. Bien joué ici. Silva. Bien défendu, le ballon est récupéré. Belle passe. Nouvelle occasion de centrer. Il a dégagé. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Dégagé par le défenseur.
danger semble écarté. Au niveau de la stratégie défensive, c'est bien joué, mais évidemment, les supporters aimeraient en voir plus. Il choisit de jouer long. Encore une belle occasion. Balmont. Encore une occasion de centre. Bonne défense. Que va-t-il décider? Gabri. Il se défend bien. Et Van der Vaart. Va-t-il y avoir but? Dégagement. Bonne reprise du défenseur. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Presque 75 minutes écoulées. Une défense intraitable, superbe. Une très grande ouverture. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain. Ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Nouvelle occasion de centrer. Belle action, mais la frappe n'est pas précise. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de ballon qui surprend tout le monde. Ça passe à 200 à l'heure et on n'est jamais là pour mettre le ballon quand il faut. C'est leur premier changement dans ce match. Peut-être que l'entraîneur veut tout simplement savoir si son remplaçant est aussi performant que lui. La défense a récupéré le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Gabri. Le goal la bloque. Quelle frappe! C'est imprécis, manque de concentration. Ah, c'était bien fait, il a tout enchaîné comme il fallait, il a frappé, il a simplement manqué le cadre. Bien donné. C'est une très jolie passe. Bien vu de la part du défenseur qui dégage en corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Le ballon sort en touche à un très bon endroit. Il l'a mal capté. L'équipe obtient un nouveau corner. La balle s'approche du but. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Encore une belle occasion. Va-t-il frapper? Oh, cette faute peut avoir de lourdes conséquences. Le gardien a une grosse responsabilité car l'équipe ne doit pas être distancée. Super claquette du gardien.
tir à ras de terre capté par le gardien. Van der Vaart. C'est loin du poteau droit malgré l'effort appréciable. Ouais, il a raison le gardien, il faut qu'il bouge les défenseurs, il laisse trop jouer, il faut qu'il monte en pression sur les attaquants. La passe a été interceptée. Éloigné de la tête, le danger est écarté. C'est un très bon ballon. Ça, c'est pas dangereux, ça passe trop loin du poteau. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours un rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chasse une autre concours de plus, ça c'était bon. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. L'arbitre assistant annonce une minute de temps additionnel. Encore une occasion de centrer. Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. Ce coup franc peut donner une balle de but. Frappe dangereuse. Dégagé par le défenseur. Nouvelle occasion de centrer. Van der Vaart. En plein dans le mille. Imaginez la joie du buteur! Ce but vient vraiment récompenser ses efforts. Et en frappant ce côté gauche, on a quand même cru que le ballon n'allait pas rentrer. Et même avec de la chance, un but c'est un but. Écoutez le stade gronder après ce but concédé. Franchement, ça ne plaît pas au public. Fin du match, l'arbitre en a décidé ainsi, c'est terminé.